2, 1, go! L'annuel Trail EDF Sunny Tour était organisé le premier week-end d'août, le samedi 6 et dimanche 7, en partenariat avec EDF. Pour cette 7e édition, les coureurs ont parcouru les sinueux sentiers de la Haute-Maurienne. Henri Cam, organisateur de cet événement, nous le présente. Alors le trail EDF Sunny Tour, qui en est à sa 7e édition, a été créé en fait par des personnes qui l'ont fait il y a donc assez longtemps. Maintenant, le EDF Sunny Tour, c'est un ensemble de 6 épreuves, 4 trails, un nouveau trail bivouac dont on parlera peut-être tout à l'heure, et puis un ensemble marche nordique randonnée. Les 4 trails vont avoir lieu demain, dimanche. Alors on les a maintenant gradués un peu comme les pistes de ski, noir, rouge, bleu, vert, parce que comme on change chaque année un peu les distances, ça nous évite de tout refaire. Mais en gros, ça va de 20 km à 74-75 km, avec pour le 74 km près de 4000 mètres de dénivelé. C'est un trail important, mais ce n'est pas un ultra trail. On n'a pas voulu être dans l'ultra, on n'a pas voulu faire des très grandes distances, trop de dénivelé, parce que notre souhait, c'est ça. C'est en fait un peu la fête des coureurs, c'est de faire participer et de faire découvrir surtout ces beaux paysages de Haute-Maurienne vanoise et du domaine de Valsonie vanoise à des gens qui ne connaissaient pas la région, avec des beaux parcours, des parcours roulants, des parcours qui ne sont pas accidentogènes. Du reste, aujourd'hui, on n'a aucun incident après cette première journée de course, même pas une cheville tordue. Au cours des différents parcours, les sportifs ont pu découvrir des paysages à couper le souffle. Ah bah le noir, pour l'instant, ça va. Très beau, hein, très très beau. Les vues magnifiques pour l'instant, et puis bon, les jambes, ça va. Voilà. Plusieurs points de ravitaillement ont été mis en place pour permettre aux coureurs de reprendre des forces, mais aussi permettre aux supporters venus en nombre de soutenir les sportifs qui, une fois arrivés au col du Mont-Cenis, ont plus que besoin de soutien. Oui, c'est magnifique. C'est courageux. Hein. Ouais, c'est très courageux. Vraiment, on les supporte, même ceux qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs sur ce col mythique que nous avons rencontré Simone, la plus grande supportrice de cette étape, qui, vêtue d'habits traditionnels, encourage chacun des coureurs qui croisent sa route. Eh ben, j'admire tous ces coureurs qui parcourent nos montagnes, les plus belles du monde, hein ? Et il n'y en a point à la ramasse, hein ? Et vous savez d'où ça vient, la ramasse ? Non. Eh bien, autrefois, pour passer le Mont-Cenis, ceux qui ne pouvaient pas marcher, eh bien, ils se faisaient porter sur des chaises à porteurs ou des traîneaux. Et ça s'appelait des ramasses, ces trucs, où ils les ramassaient. Et maintenant, ceux qui n'arrivent pas à monter le Mont-Cenis, on dit qu'ils sont à la ramasse. Ça veut dire qu'ils auraient besoin d'une ramasse pour arriver en haut des cimes. Au détour des sentiers, un drapeau rouge pourchasse un coureur qui nous éclaire sur le sujet. Ben voilà, c'est ça. Je représente la Normandie. Donc j'aime bien sur les courses porter les couleurs. Voilà, puis ça fait une petite attraction. Les gens m'encouragent et puis ben voilà, ça fait un petit plus quoi. Alors que les coureurs franchissent le col du Petit Mont-Cenis et que la course tire vers sa fin, c'est tout un troupeau de chèvres réunis qui partagent le sentier avec nos coureurs. De quoi passer à nouveau un très bon moment. Cette 7e édition, riche en sport, riche en émotions, mais aussi riche en nouveautés. Découvrons ensemble le nouveau parcours organisé par le Trail EDF Sunny Tour. Thank you.
découvrir au mieux la nouvelle épreuve du bivouac, l'équipe de Marianne TV a suivi les coureurs durant ces deux jours. Immersion totale dans cette course pas comme les autres. Retour avec Henri Cam qui nous présente cette nouvelle épreuve. Pour la première fois, un trail à étapes avec un bivouac cette nuit, une première étape aujourd'hui, un classement d'étape tout à l'heure, demain une deuxième étape, un classement d'étape et un classement général à l'issue de ces deux jours avec un bivouac que l'on a aussi voulu festif où les familles peuvent rejoindre. Tout à l'heure on va faire des feux, des petites lumières. Et c'est un petit peu ça l'esprit de l'EDF Sony Tour, la fête des trailers, la fête des coureurs. Le trail bivouac, c'est 60 participants qui vont parcourir 23 km le premier jour avec 1600 mètres de dénivelé, 29 km lors de la deuxième manche avec 1400 mètres de dénivelé. Le départ de cette course hors norme s'est effectué à Termignon. Puis, les participants sont arrivés au lieu dit le Plané, situé sur la commune de Bramont, après 2h30 de course pour le premier jour. Après cette course de folie, rien de tel qu'une bonne douche froide dans la rivière pour retrouver des forces. Suite à la course, c'est la toilette. On prend notre douche. Je pense que l'eau est à moins 8000. 4 degrés peut-être. Ah, 7 degrés. 7 degrés. Mais ça fait du bien. C'est moment de détente. C'est bon pour la récupération musculaire. Exactement, c'est de la cryothérapie gratuite. C'est le moment pour les coureurs de récupérer de cette première manche et de profiter d'un délicieux repas, tous ensemble, autour du feu, dans une ambiance conviviale et détendue. Henri Cam nous explique l'organisation d'une telle intendance. Alors, on a voulu ce bivouac, on va dire l'aventure sans l'aventure. Donc on n'a pas voulu que ce soit le truc à l'arrache où il faut se balader avec son sac à dos. Non, encore une fois, nous on veut faire des trucs de détente et que les gens aient le plaisir de le faire. Et donc ils ont déposé leur tente. Nous les avons amenés avec le beau camion qui est là, ici. Et donc à l'arrivée, ils ont trouvé leur tente. Ils ont récupéré leur tente. C'est eux qui ont monté leur tente. Et par contre, on leur fournit tout le reste. Le repas de ce soir, le petit déjeuner de demain. Et à nouveau demain, ils vont démonter leur tente, ils vont poser leur tente au camion et ils retrouveront leur tente à l'arrivée à Lancebourg. À peine la nuit tombée, les coureurs partent se coucher pour être en forme le lendemain matin. Chacun quitte la chaleur du feu pour aller s'installer au fond de sa tente et tenter de se reposer le mieux possible malgré le froid. Là, c'est l'heure d'aller dormir. Ça nous a canné, cette course. Et demain ? Il est... On dit la vérité ou pas ? 9h. Et demain, 29 km, frais et dispo, 1300 de dénivelé, tout va bien quoi. Allez, bonne nuit hein. Bonne nuit, bye bye. Le soleil à peine levé, les sportifs du trail bivouac doivent préparer cette deuxième journée de course. D'après certains, la nuit a été bonne. C'est bien, c'était notre première avec mon coéquipier. Et pour une lune de miel, ça s'est bien passé. Avant de démonter les tentes et de prendre le départ, direction le petit déjeuner pour prendre des forces avant cette longue journée. Nous avons pu interviewer Damien Jean-Jean, le grand gagnant de la veille, l'un des premiers coureurs présents au déjeuner. Hier, ça s'est plutôt bien passé. En fait, ça faisait un moment que j'avais pas vraiment couru depuis l'Ironman de Nice. Du coup, je savais pas trop comment partir. Bon, je suis parti finalement assez vite parce que mon point fort, c'est les montées en général. Et comme je savais que ça terminait par une descente, donc je préférais dans tous les cas prendre l'avance en montée. Voilà, et du coup, et en haut de la première grosse montée, j'avais déjà apparemment 20 minutes d'avance. Une fois le matériel rangé, il est grand temps pour les coureurs de prendre le départ de cette deuxième manche.
C'est finalement notre ami Damien Jean-Jean qui remporte la deuxième manche et se voit remettre la médaille d'or sur le podium de Lens-le-Bohain.